Salut tout le monde, c'est Tortue. Bon, je vous fais la petite vidéo pour vous présenter le coffre de la semaine prochaine, de mardi, et en même temps tous les défis. Donc, la semaine prochaine, mardi, il va falloir fouiller pour trouver le coffre entre. Donc, il va falloir fouiller entre un hélicoptère, que voici, un camion de crème glacée, un camion de glace, qui se trouve juste sous l'arbre ici. Voilà. Et un banc qui se trouve juste en face, vous allez voir, voilà, juste ici. Donc normalement, le coffre doit se trouver au milieu de ces trois points, comme d'habitude. Je vais vous montrer la vue un peu éloignée. Alors moi, je pense qu'il va être sous l'arbre qui se trouve en plein milieu. Vous allez voir, il y a une petite trace. Je pense qu'il est là. Voilà, juste ici. Je vais vous montrer ça en vue rapprochée. Juste là, ce petit carré sans air. Donc, pour les défis de la semaine, il va falloir infliger des dégâts aux adversaires avec des fusils d'assaut, donc 1000 de dégâts. Jusque-là, rien de compliqué. Fouiller 7 boîtes de munitions dans une même partie. C'est simple aussi, on va dire. Fouiller des coffres à Wellingwood, donc 7 coffres. Visiter le centre de différentes tempêtes dans un seul match. Alors là, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc bah écoutez, mardi, dès que j'en saurai plus, je vous posterai une petite vidéo là-dessus, je pense. Ensuite, il va falloir fouiller donc entre un banc, un camion de crème glacée et un hélicoptère. Donc ce que je viens de vous montrer pour le coffre. Une élimination au piège, donc ça c'est un peu chiant, mais bon, ça devrait se faire aussi facilement. Et en dernier, donc tuer des ennemis à Snowy Shore. Donc le coffre, élimination au piège et tuer des ennemis à Snowy Shore, 3, c'est les 3 défis qui vont vous donner 10 étoiles. Voilà, les 3 qui sont en armes. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à mettre un petit com aussi si vous avez des idées de vidéos. Je me répète à chaque fois, mais n'hésitez pas. Et pourquoi pas vous abonner si vous voulez être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée encore une fois et je vous dis à très bientôt.